bonsoir à tous. Donc là aujourd'hui on va faire une nouvelle session coop. Donc comme d'habitude on sera à deux joueurs ce soir avec Paulou. Notre objectif ça sera d'avancer sur une quête. Et puis sur les défis aussi. On fait à peu près un peu de gambit, un peu de PVP et puis un petit peu de scénarisé en fonction de ce qu'on a à faire. Là on est à peu près à 1015, 1010, 1020 là, de puissance. Se stuffer, on avance et puis bah voilà, là je vais lancer un mec en but puisque les défis ont démarré et puis voilà, je sais pas, je vous souhaite la bienvenue sur le stream, à toutes.
Presque démarré. Assez de temps perdu. Des infâmes en approchent. On va jouer aux méchants pour changer. Le sang des infâmes est inflammable. Allez. Évitez de vous en mettre dans la bouche. Prête pour la téléportation? Ouais, on est prêt. Éliminez les cibles, prenez les particules et apportez-les à la banque. Je sais pas comment je suis stuffé. Ennemi en approche à la raffinerie. Cible importante repérée. Ne la lâchez pas. L'importante abattue. Dans le centre de contrôle. Voilà. En bloqueur envoyé dans l'autre camp. C'est pas Shax qui vous laisserait faire ça. Profitez-en. Au boulot. Ah.
on approche à la raffinerie. Allez. Grand bloqueur envoyé. Allumez-les! Assommez-les! J'y ai presque! Remplissez la banque pour invoquer un primordial! Presque. Encaissez vos particules et libérez le primordial. Ennemi en approche au terrier. Vous venez d'envoyer un bloqueur moyen chez l'ennemi. Ça devrait les occuper. Vous avez invoqué un primordial. Tuez-le et vous aurez gagné. Allez. Primordial est compromis. Balancez la sauce. L'intrus est parti. Je l'aurai la prochaine fois. Finissez-en. L'intrus a quitté la zone. Aïe, 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 aïe. 10 secondes, donnez tout. L'intrus est là. Temps écoulé. Il dessus. C'est ça. C'est ça, il y a tellement de boutons rouges. Je déconnecte. Votre équipe domine. Voilà, ici j'ai changé de micro. Ensuite,
Alors, quand il veut. Voilà. Tu m'entends, Poilou? Ok. Là, normalement, je pense que ça devrait finir par m'entendre. Je crois que ça se règle automatiquement, en fait, le volume, je crois. C'est un truc comme ça. Ça devrait se régler. Ok. Ensuite, il faut qu'on se connecte à la chaîne, hein? Parce que là, pour l'instant, on n'est que tous les deux. Enfin, moi, j'ai encore un micro, donc ouais, on m'entend encore sur la chaîne, mais toi, on t'entend pas encore. Je vais juste. C'est ça, mettre les copains. Mon copain frotteur. J'ai pas mis mon copain frotteur. Alors attends. Ah, copain frotteur. Ah, donc ça c'est la caméra. Ok, ça marche. Hop, voilà, copain frotteur. Hop, on a changé de caméra aussi. Et il nous manque plus que l'audio. Ça, c'est presque fait. Tac, allez, plus que quelques clics. Tac. Ah, les copains, vous avez vu, je suis super actif, je suis très utile. Ah, ils ont un problème avec un bloqueur, j'y vais. Voilà, je les ai aidés. Hop, et il ne me reste plus qu'à cliquer. Rejoindre. Voilà. Bon, oui, ça m'a l'air de bien marcher. Hop. Hop. Bon, alors, Poilou, là je suis actuellement en deuxième manche de Gambit. Nous menons, nous avons de bonnes chances de gagner cette session. Vilain chien explosif. Vilain doudounet, vilain. Très bien. À la niche. Couché. Ah, un copain mort. Je sélectionne mon magnifique personnage. Bon, Alors, de mémoire, la dernière partie, on a récupéré pas mal de trucs. Il va peut-être falloir que je fasse à l'autre. Je vais voir un peu à quoi ressemble la vapeur. Alors, eh bien, les armes, c'est plein. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Les armures, on a un peu comme ça, un petit peu d'armes. Ah bah, ça va tout. Ok, ça marche. Bon, il nous reste la douce partie qu'il a récupérée et on sera prêt à exploser notre équipe qui est très très en retard. Aïe. Quelque chose m'a piqué. Oui, c'est ça. Ça. On reste gump. C'est dans C'est dans Forest Forest Gump, Gump, ça? ça? Ah, ça, je me souviens Oui, pas de cette c'est scène de dans Forest Forest Gump. Gump. Qu'est-ce qui Qu'est-ce lui qui lui arrive arrive quand quand il il s'est s'est piqué? piqué? Il se prend des balles dans le cul. Ah, Ah, c'est. quelque chose Au m'a Vietnam? piqué! C'est au Vietnam qui dit ça? Ah, je me Ah, souviens plus. quelque chose Faut que m'a je revoie cette piqué! scène. Faut que je Je revoie revois cette cette scène. scène. Forest Gump. Ah, il Allez, en on reste reste là. là. Ah, oui, il en On reste reste là. là. Bon, on va remplir Remplir la la banque, banque c'est avec très la bien, dernière j'en ai partie deux. 2. Allez, Allez,
Ah, ils ont envoyé un petit bloqueur. Il a un bloqueur. Encore un bloqueur. Mais bon, on a un primordial. Allez, 25 parties d'avance, vous n'avez quand même pas rattrapé. À la fin. Le temps que tu butes, je vais avoir le temps de passer mon inventaire, à mon avis. Aïe. Quelque chose t'a piqué. Quelque chose m'a piqué, ouais. Exactement. Un envoyé m'a tué. Vilain. Pas bon, pas bien. J'ai activé la fonction super fan sur notre page Facebook. Donc là, les followers, s'ils passent suffisamment de temps à nous suivre, ils peuvent devenir, ça peut leur débloquer la fonction super fan. Ça, je pense que ça sert pas à beaucoup de trucs, mais c'est cool. Si ça donne un badge, quoi. Qui va bouffer mes éclairs ? Vilain, qui veut des éclairs ? Toi, tu veux des éclairs, je crois. Ah oui, t'es une vilaine sorcière, hein. T'aimes pas les éclairs, hein. Aïe. Putain, elle a eu plein de moi. Allez, elle a deux points de vie, il faut que quelqu'un la tue. Bon, bah, je vais le faire, ok. Puisque c'est comme ça qu'il faut tout faire soi-même dans cette équipe. Lui, fait pas chier. Ah, lui, vient juste pour nous envoyer sa supercharge. Ah, merde, la thune de l'intro a été bouffée par le... Aïe. Ouais, j'ai rien dans le temps. Où est-ce que c'est censé faire, là, deux points de vie. Il y a un mort là. Compliqué celui-là. Quand on a le gros œil là en boss sur le grand beat. Il est pas évident, elle est partout. Toi t'es pas mort en fait d'enculé encore. Putain, merde, pas vrai. Ça y est, il est mort quand même. Ah, petit bug. Yes, on l'a eu. T'en as gagné, mais pas avec beaucoup d'avance. D'accord. Allez, retourne en orbite. Je suis prêt. Et nous sommes synchro. Qu'est-ce qu'on fait YouTube ? Écoute, qu'est-ce que t'as comme quête ? Qu'est-ce que j'ai comme quête ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai arsenal de curiosité. J'en ai vraiment plein. Qu'est-ce qu'il avait dit, machin, là, avant-hier soir, là ? Quel propos ? Sur les quêtes, qu'est-ce qu'il fallait faire en premier ? Il n'y a rien de particulier. Je crois que c'est les quêtes nouvelles lumières qu'il faut faire. Hein.
J'ai encore une nouvelle lumière, c'est bien. Tu en as encore, regarde, je vais chercher là. Introduction raid. Terminer le raid Léviathan. Léviathan, on a déjà essayé. Tu te souviens de quel c'est? C'est celui avec les drapeaux, machin. Où il faut ramener les drapeaux, défendre les drapeaux et aller chercher les autres. On n'est pas assez. Il faut être plus. À part ça, qu'est-ce que t'as d'autre? Alors, protocole intensification, conquérir et acquérir. Terminer la dernière vague du protocole intensification avec une clé de coffre cryptée entièrement chargée afin d'ouvrir le coffre final et de récupérer votre récompense. Les fragments de clé Rasputin apparaissent occasionnellement lors des assauts nuit noire. Récupérez à vous faire plein d'assauts nuit noire. Redis-moi comment ça s'appelle, la quête, c'est une quête, c'est ça? Protocole intensification. Laquelle ça s'appelle protocole intensification? Je pense que je l'ai fait. Sinon, j'ai déverrouillé la côte enchevêtrée en gagnant de l'XP. Voyagez-y et parlez à l'araignée. Ah, facile. Ça, je pense que c'est facile. Côte enchevêtrée, c'est par là-bas. Sélectionné. Tu me rejoins dans la team? Ouais, c'est en cours. Yes, tu seras capitaine. Alors, il y a Sendfoy sur YouTube qui nous dit salut, c'est quoi la meilleure arme pour DPS des boss? Pour tuer quoi? Les armures, forcément, c'est les meilleurs, donc j'aurais bien aimé faire un peu de munitions souvent. Voilà, par contre, tu peux pas te faire que de ça. Mais bon, si t'as des lance-roquettes, machin. Et les grenades, voilà, tu commences par ça. Super, et puis, évidemment. Et puis, une fois que t'as fait tout ça, les armes avec des munitions vertes. Il y a des munitions blanches, les fusils à pompe, ils vont dire très bien. Après, de près, les combats. Voilà, par exemple, on peut faire des produits, la comparaison, on te donne le nombre de balles dans le monde, dans la description de l'arme, t'as le temps de recharge, donc faut quand même regarder la taille du chargeur, mais un truc qui a une grande fréquence de tir, donc tu vois, par exemple l'arme que j'utilise, elle a une fréquence de tir, je crois que c'est une 600. Elle fait 900 coups par minute, d'accord. Avec un chargeur de 41 balles, ça veut dire que le temps de recharge sera quand même, tu vois, pas trop pénalisant sur une minute de tir. 900 coups par minute, moins les temps de recharge, c'est pas mal, quoi. Ça va aller assez vite. Après, chaque balle va faire moins balle qu'une balle du gâteau, bien sûr, mais je vais en tirer plus. Et donc, c'est la multiplication des deux, en fait, le match que tu vas faire par minute. Donc, après, je ne vais pas tout comparer, mais je trouve que les mitraillettes ont un ratio pas mal, en fait. Ça permet de jouer un peu cool. Et après, c'est vrai qu'il y a une mitraillette, donc il ne faut pas du tout comparer, c'est un bon joueur. Mais il nous dit ok. Je t'en prie. Alors, je suis avec toi, Poilou, je suis derrière toi. T'as pris ta moto. Ouais, j'ai du chemin à faire. Bon, bah, ça y est, je la quitte, la moto. Non, mais j'ai pas pris la moto. Je voulais pas la rayer. En plus, elle sort du garage. Alors, tu veux pas m'attendre, t'es un petit peu pour ce soir. Tu es pressé, tu cherches les toilettes. C'est au fond à gauche.
Planque de l'araignée. Bon, allez, on finit les contrats. Ah, tiens, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Éliminé. Eh ben. Il y a des contrats de recherche. Ah, ici, on peut c'est trouver des mecs. Tu veux chercher un stream? Ouais, c'est marrant ça. Tu veux acheter un stream? Ouais, pourquoi pas, parce que c'est... Laquelle? Alors, j'ai le Capitaine du Crépuscule. Est-ce qu'on a allez. Ouais, Capitaine du Crépuscule, c'est ma première. Ensuite, j'ai Kurg, la force omnisciente. On fait quoi? On se luisait des mains? On fait la première, je pense qu'on les faire dans l'ordre, on les mettre un peu dans l'ordre de difficulté. C'est la deuxième, la première, c'est Capitaine de la Crépuscule. Ah mais attends, on peut pas les prendre. Mémoire de spectre, 0 sur 1. Non, il faut une mémoire de spectre. J'en ai pas, j'en ai pas. J'en ai pas. C'est 7 jours après achat, je vais t'attendre en fait. Ok, et puis on va voir comment on peut trouver de la mémoire de spectre. Parce que je ne sais pas, j'ai ça. J'en ai 5, très bien, mais alors depuis quand et où est-ce que j'ai chauffé? Alors ça, j'en sais fou pas rien. Il faut que je découvre la planète avant de, d'aller plus loin. Bon, je sais pas, c'est pour un prochain là. Hein. Ah ouais, ouais. C'est pas sur la planète que j'ai trouvé ça. Bon, bah je retourne sur mes quêtes. J'ai toujours découvert la côte enchevêtrée. On va essayer de faire ça là, découvrir la côte enchevêtrée. Ah bah tiens, introduction au monde, déverrouiller le prochain monde. Aller à la cité des rêves en gagnant de l'XP, puis voyager et parler à Petra Vejnev. Bon, allez, cité des rêves, Petra Vejnev. Alors, cité des rêves, c'est où? Cité des rêves, c'est là. Hop, on va aller taper la causette à Petra Vejnev. Alors, petite Petra, hop. Il faut que j'aille dans ma carte, c'est ça? Non, c'est bon, je t'emmène. Ah, c'est allez, pardon, on rechange de planète. Ouais, désolé, je vous affiche. Non, pas de soucis. Par contre, après, il y a toujours une découverte de planète. En fait, dans les découvertes de planètes, ce qui manque à chaque fois, là, j'arrive pas à finir mes découvertes, c'est les secteurs oubliés. Je sais pas comment j'en fais, mais j'en ai fait un bon paquet. Regarde, parce que j'ai sectorisé en enquête. Ah, si, voilà, sur Mars. Il y a les présentations. Ouais, faut que je termine une nouvelle lumière. Hein. Oui, c'est le temps. J'en ai une pleine page. Hein. Il faut commencer par ZDME. ZDME. On va parler à la meuf et puis après, on va essayer de faire ZDME. Très bien. Moi, les secteurs oubliés pour info, il faut que je sois sur Mars, comme ça peut. Bah, moi, il m'en reste deux à Mars. Sur Mars. Donc, j'ai Titan, secteur oublié parfait. J'ai introduction au raid. Je les adore, cette défonce. J'ai arsenal de curiosité. Fouiller Titan et Yo à la recherche d'armes exotiques. Mais ça, ça sera. Voilà. Il faut le faire parce que ça va disparaître. Yo. Ok, tu m'as téléporté, t'es où? Ouais, mais attends, on doit avoir une meuf vraiment juste à côté, j'ai pas besoin de prendre la moto. Ça. Oh, elle est juste là. Elle est juste là, la meuf. Bonjour madame. Waouh, elle est bien.
Ah, la biquette. Ah non, il faut voir les gars. Ah si, j'en ai eu que je peux acquérir. Contrat du jour terminé. Ouais, moi aussi. C'était des rêves. On se le fait ? Contrat du jour terminé. Faire 8 contrats du jour. 8 contrats du jour ? On reviendra plus tard, non ? Ouais, c'est sûr. Bon, par contre, 2500, il n'y a pas de limite dans le temps, là ? Ouais, j'ai un peu. Bon, on la prend et puis on verra plus tard. Allez. Ok, bon. Donc, on a dit maintenant, hop, quest on va se faire du. Soit du ZDME, soit du IO. Allez. Alors, la cité des rêves, l'arsenal des curiosités, introduction Red, introduction Titan, Mars, Mercure, Nessos, IO, la côte enchevêtrée, la coupe c'est IO. Tu n'es pas prêt pour les ZDME avant? ZDME, j'ai l'impression qu'elle est finie, j'ai plus. Ah oui, d'accord. Alors attends, voilà ce qu'ils disent. Cette sortie de contenu du coffre commence pendant l'an 4 de Destiny 2 avec le retour de Cosmodrome, ainsi que ses trois vaisseaux et le retour du raid, le caveau de verre. Le principal contenu de Destiny 2 qui va quitter le jeu pour rejoindre le CCG cet automne, comprend Mars, Io, Titan et Mercure, ainsi que le Léviathan et toutes les activités qui les concernent. Voilà, ce qui va disparaître sera ça cet automne. Mars, Io, Titan, Mercure. Il est temps d'en profiter le maximum. Ouais. Bon, secteurs oubliés, on essaie d'aller où là ? Alors moi j'ai rouillé Mars un peu plus, donc je déconseille Mars. Non, on est sur Io là. Là on est sur Io. Et là c'est quoi l'enquête, secteur oublié, c'est tout. Bah on se balade alors. Faut trouver des trucs chelous, c'est pas oublié, c'est une mission qu'on va déclencher sur la carte, je crois. C'est un petit peu simple. Écran noir. T'as un écran noir, ça ? Ça me met sur You. Ouais. Ah oui, d'accord. T'es en train de taper une sorcière. Bon, moi, j'ai fait la formation du soir, j'ai mon brevet de secouriste, ça y est. D'accord. J'ai fait marcher un défibrillateur, un dépensement, faire gagner du temps aux pompiers, tout ça. On en vend les bracelets des gens. Bracelets ? Ouais, c'est un bracelet. Oui. Le plus technique, c'est le massage cardiaque à le côté, quoi. Par le côté, t'as un peu à faire ? Non, je dis le plus difficile en fait, c'est pas brancher un défibrillateur, ils disent qu'il faut faire. C'est de faire le massage cardiaque. Bon, après, sur un adulte, pour casser des côtes, faut y aller. C'est fragile, mais tu appuies vraiment. T'appuies sur le plexus, donc. Et puis après, si tu pètes une ou deux côtes, si au passage tu. Que ça pompe, le mec, tu le sauves en fait. T'es face à un mec qui respire plus quand tu fais un massage cardiaque. Ouais, je sais bien. Donc t'es pas à deux côtes près. Bon, alors, sur ce, ça rend très joyeux, très intéressant. Je te suis, moi. Ah, y'a Thierry qui dit salut, ce boss te donne une quête et dos si tu l'as pas. Il saurait pas où c'est le secteur oublié. Ah non, pas de spoil. Je vois un espèce de truc là-bas, là. Regarde, c'est quoi ce machin là?
Regarde ça là. Je sais pas. T'as un symbole sur la carte. Contact. Contact, ça on connaît ça. C'est l'émission, c'est un peu lié au Gambit. Pour débloquer Gambit, ça se passe par là. C'est le genre de pseudo Gambit. Écoute, t'es meilleur en exploration, je te suis. Ok, okay, alors, mais donc là, ta seule mission, c'est secteur oublié. C'est ça ? Secteur oublié. Ok, attends, j'ai la carte. Ok. Il y a la mission Pyramidion, ça c'est de l'assaut, le noyau festivant. On peut peut-être essayer de faire les. Le murmure. Là, je suis pas chef de squad, je peux pas lancer les missions. Mais il y a interférence en quête. C'est là qu'il y a interférence. Alors, je sais que je dois passer les données. Non, mais je vais en passer les données, donc c'est pas ça de toute façon. Par contre, moi je tente très bien le murmure. Tu la vois le murmure ? Pas sur la tête. J'ai rupture, Messa Echo, j'ai le pyramidion, j'ai le murmure, ouais, je l'ai, ouais. Lance le murmure. Allez, c'est parti. Pas sur la tête, on verra. Pas sur. Ça te parle pas, toi, Non, non, c'est derrière. Ah, c'est juste ça. Si t'as oublié, il est peut-être juste dans cette quête-là, cette mission-là. Écoute, si c'est le cas, ça veut dire qu'il suffit de faire... En fait, les secteurs oubliés, c'est les missions qui sont affichées en gros sur la carte, quoi. Alors, je pense que peut-être dans la forme de casse, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que sur cette planète, c'est plus compliqué que ça. Je pense que ça dépend de l'image. Bon, et ben, un petit chargement. Voilà. C'est ça, on a 20 minutes. 20 minutes pour faire quoi? Il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. Ah putain, je crois que j'ai déjà essayé. J'espère que c'est parce que... Alors justement, alors c'était bien là, c'était oublié. Et je crois que je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé, alors c'est l'endroit, suis-moi. Je vais te montrer un peu les deux casquettes. Parce que j'ai vu un bug, qui ne soit pas impossible. C'est genre un boss qui n'y a pas, qui n'y a pas, dans ce casque, on va te voir. Parce que moi, ce que j'ai vu sur cette map, j'ai vu un coffre de boss, qui n'a pas tête ouverte, et que le boss est en coffre ouvert. Alors, on va voir ce qu'il est là. Franchement, on est bientôt. Voilà. Donc ça, c'est le coffre de boss. Donc ça, tu vois, on te dit, regarde le code de la cache du boss. Voilà. Donc ça, c'est la première chose cachée dans ce niveau. Là-bas dessous ? Ouais. Quand tu descends en dessous, il y a un couloir un peu chelou. Viens ici. Voilà. Ouais, dans ce couloir, il y a un genre de barrière. Attends, dans ce couloir, je confonds. Non, c'est pas ce côté. Non, c'est pas ce côté. Je ne vois plus rien. Je suis en train d'avancer à fond, je ne vois plus rien du tout. Attends. Ici, il y a un couloir un petit peu comme celui qu'on vient de faire. Celui-là, on y retourne. Et au bout de ce couloir, ça va trouver quelque chose ? En fait, il y avait un genre de porte. Non, c'est celui-là. Il y en a deux qui se ressemblent effectivement. Il y en a pas celui-là. Il y en a un autre. Ah, juste au-dessus.
Là où, là? Là où je suis, t'es où, toi? Là, où en bas? C'est toujours le même, ça. Ça, c'est pas vrai. Ah, il est peut-être de l'autre côté. Dans cette pièce. Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça, tu vois, là, où je suis. Derrière toi, près de la monnaie. Je pense que voilà. Donc là, il y a ce couloir. Et là, tu vois, il y a un mur bizarre. T'as vu? Oui. Voilà. J'ai passé 20 minutes dans tout cet endroit-là. C'est les deux seuls trucs que j'ai trouvés. J'ai tourné pendant 20 minutes, la dernière fois. Avec ces données du problème, sans... J'ai essayé de monter l'arbre, mais je pense qu'il y a son moyen. J'ai rien trouvé. Bon, alors déjà, le premier tunnel, là, que tu m'as montré, là, ouais. Il donne au-dessus. Il donne au-dessus ? Ouais, t'arrives dans de l'eau, le trou, là, ça donne sur une cavité qui est au-dessus, là. Attends, vas-y, je te suis, parce que moi j'ai pas vu comme ça. Viens voir, ici. Ouais. Hop. Dans l'eau. Ouf. Et on en est dans le fond du couloir de ta grotte, là. Ouais, si, c'est bon, franchement, j'ai pas vraiment. Voilà. Donc déjà, là, c'est du d'Eden. Yes. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que là. Non, et dans tous les couloirs. Alors, faut peut-être refaire les autres couloirs, hein, parce que peut-être louper quelque chose. Donc, moi, je suis pour te laisser te balader. Essaye d'explorer l'endroit. Moi, je t'ai montré les deux choses pour remarquer ce que j'ai trouvé. Mais j'ai peut-être loupé. On a 15 minutes. Alors, attends, le niveau s'appelle Murmure. C'est important d'entendre. Il s'appelle Murmure. Franchement, c'est ça qu'on sort dans les oreilles. Là-haut, il y a quoi là? Oh, attends, 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 bizarre. Dans sa même pièce? Non, j'ai rien, j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. Il y a une cache là-haut là. Il y a un truc. T'as trouvé un truc? Ah bon? Ouais, là-haut là. Attends. Tu peux y aller toi? C'est quoi comme saut là? Ouais, j'y suis. Et alors? C'est noir. C'est tiré dans le mur pour éclairer. Moi, j'éclaire la mitraillette. Comment ça, il n'y a pas de lampe torche? Bien sûr qu'il y a une lampe torche, mon dieu. Ça s'appelle une mitraillette. Ouais, regarde là. Tu veux que je t'éclaire avec mes éclairs? Tu veux que je t'éclaire avec mon trou du cul? Peut-être que je t'éclaire avec mon trou du cul, René. Rien. J'ai l'impression que rien. Après, est-ce qu'il y a moyen de continuer? On continue à chercher José, là. Ça va pas se faire tout seul. Je dirais rien. Ouais. Comme ça, je dirais rien. Je sais pas où je suis. Plus que deux lampes torches. Bah, je crois que j'ai avancé dans un couloir quand même, parce que je te vois plus. L'extension principale, c'est super. Ah, je suis de retour vers le coffre du boss à la con, là. Ah, y'a pas un indice là-dessus, là?
C'est quand même un niveau qui s'appelle le murmure, je pense qu'il s'approche de nos oreilles. Et que le bon chemin, il va nous être indiqué. Là, il y a un truc qui fait du bruit. Ça fait du bruit, ça. Ah, attends, j'arrive. Ah, il y a les lampadaires qui font le bruit. C'est pas un lampadaire dont tu parles ? Si, c'était pas un lampadaire. Ouais, c'est le lampadaire. Ouais, ils font tous du bruit. Ouais, tous ces lampadaires-là, ils font tous du bruit. Il y en a plein partout. Ouais, pareil. On est revers le coffre à la con. Voilà. Il y a des bruits d'enfants, t'entends. Il y a des rires d'enfants. Très rapide. Là, j'en ai eu un par exemple. Je sais pas si c'est. Tout ça. Ouais, mais il revient pas quand je repars, je reviens. C'est le 0, ouais. Dans les 0, ouais, c'est ça. Un bon sonore, quoi. Là, il y a un truc là. Ah là, c'est là, viens. Ça. J'y suis. Ah, attends. Par où tu es allé ? Voilà, hop là. Là, il y a un truc qui a été cassé là. Attends, je t'arrive à te suivre. Ça fait quoi ça ? T'es allé où ? Quand t'es parti du coffre ? Ici là. Tu es là où ? J'ai sauté en passant du coffre du boss. Ah oui, d'accord. Putain, comment t'as fait remonter ? Attends, je suis au coffre du boss. Ça a fait quoi ça ? Elle est où ta porte à la con ? Emmène-moi vers ta porte à la con. Elle est en bas. Ça l'a pété. Juste en dessous. Non, c'est juste d'y aller. Elle y est encore. Viens y aller ? À l'instant là ? Ouais. Après que j'ai pété le truc ? Là, elle y est encore, ouais. C'était une grosse boule noire, genre. Et tu l'as niqué ? Ouais. Il n'y en a pas une autre ? Bah si, il doit y en avoir l'autre. Attends, j'ai envie de voir la tienne. Ah là, j'ai revu un rire d'enfant. J'arrive pas à monter. Quel tanas, je suis obligé de refaire le tour. On a fait la moitié du temps, c'est pas mal, on a avancé. Ça prend plus à deux tout seul, genre de truc. Je cherche comme ça. Bon, j'essaie de venir. Le bruit, ça t'a été utile ou pas ? T'as été utilisé un indice auditif ou pas du tout ? Non, j'ai vu une tête fort, je me suis dit, tiens, est-ce que je suis juste là, c'était là-haut ? Ok. Je l'avais pas vu. Ça y est, je suis revenu au coffre. Donc pas encore en fof, la plateforme à la con, là, quand tu te mets sur le bord. Elle était sur la droite. Tu vois pas la petite plateforme, là ? Elle est à distance de saut, par rapport à juste derrière le coffre. Elle est à gauche, c'est ça ? À droite. À droite ? Plateforme à droite ? Ouais. T'es sûr qu'on va pas à droite ? C'est à gauche, tu vois une plateforme à gauche ? Ouais, je suis dessus. Inspecté. Nouvelle légende découverte. Scream de Gen Sim. Ah, j'ai pas fait inspecter. J'ai pas vu qu'il y avait des trucs. J'ai juste tout cassé. Ah, ça y est, il y a là. Alors, il y avait un bouton à inspecter. Machin, un scream de Gen Sim. Rien d'autre. Même les autres de Gen Sim. Ah, peut-être que j'allais la lire. Je pense qu'il y a peut-être un truc dans mon inventaire. Et toi, t'as tiré dans un truc après ? Non, mais il y avait une grosse bulle noire, tu sais, genre les protections de boss là. Oui, d'accord. Tu l'as fait péter. Ouais, je l'ai fait péter. Okay. Moi, il m'a dit. Je sais pas comment on fait pour remonter là-haut là. Ah bah, j'ai fait tout le tour. Je suis trop fiché.
Par où Par la droite, au fond. Là, tu suis le cours d'eau. Ah, c'est pas un carré, quoi. C'est un escargot qui monte, quoi. C'est une tanasse. Bon, là, il y a une amie que j'ai récupéré une légende. On les a dans notre inventaire, car là, c'est comme une légende. J'ai jamais cherché les légendes. Objet légendique. Prophétie oubliée, synthétique. Merde, j'ai plus de manette. Évidemment, c'est toujours dans le niveau chronométré ou la manette. Sinon, ça perd sur fun. Ils sont bons quand même chez PlayStation. Triomphe, collection. Pas très bien. Si, légende. Légende de Luna, c'est ça, non. C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas ça. Des sauts. Le bouton à activer. C'était inscripté, le bouton. C'était un petit cristal ou qu'est-ce qu'on a au fur. C'est un genre de petit cristal, c'est un peu comme les cristaux qu'on trouve. Je vais prendre pour tous les deux. Il me l'a remis. Et c'est quoi la légende, Stéphane? La légende de quoi? De Nechim, je sais pas. Et le trou, qu'est-ce qu'il donne? Moi, j'essaie de trouver mes conneries de légende. Je suis tombé dans un trou hyper beaucoup plus bas. Retourne dans la case où tu étais. Très bien. J'y suis toujours. Je prends qu'il y en a un, on est vraiment ailleurs là. Vas-y, viens, c'est ici. Voilà. Okay. C'est bon. J'avance. T'es avec moi là? Non, je suis en électricité, mais je te suis. Je suis revenu au tout début. T'es en dessous de moi? Non. Là où j'ai fait exploser le truc, dans la grotte, il y a un endroit, il y a un trou. Je suis descendu dedans. J'ai pas trouvé le trou. Eh ben, retourne-y. Faut que je remonte? Putain, il y a un sas. Merde, tu as tué? Du vide. Il fallait sauter, je pense. Il me remet pour bien loin. Tu penses que t'es sur bon chemin? Ouais, grave. Bah, c'est nouveau. Attends. On va avancer. Ouais, mais attends, on va continuer à avancer. 4 minutes, c'est chaud. Il y a un boss à tuer, quoi. Il y a un code de boss. Et j'ai pas de mission. J'ai perdu mes balles dans le torche. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un boss qu'on déclenche, j'ai un petit flingue de 1875. Ouais, mais j'avance, moi, j'avance. Ok, je vais essayer de te rejoindre. Oh putain, non, c'est mortel trop chaud. C'est hyper chaud. Ah non, mais là t'es revenu à point de départ, Paul. Ah non, t'es en dessous. Du tout, non. T'es en dessous, alors attends. Okay. Ah oui, il y a un trou, c'est quoi le trou? Un petit trou, c'est ça. Je le rentre dans le trou. Ok. Dans le trou, tu t'avances et c'est le bordel. Ah mais là je suis mort en fait, merde, c'est con, j'ai pas pensé à ça. Ça me tue en fait, c'est ça. Ah, c'est le premier haut. Ok, bon, ça va. Alors. On va essayer d'amortir la chute chez toi. Voilà. Ah, j'ai une lampe. J'arrive. Ah, c'est vraiment les trois. Ok, c'est de la plateforme.
Ouais, mais c'est le début de la plateforme. Après, c'est beaucoup plus marrant, tu vois. Ça, on peut péter ou pas, le truc. Non, il est d'accord. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ranimer. On a proposé de t'arrêter. Non, on ne ranime pas. Bon, ok, bah, on avance là, dans le couloir là. Dans le couloir là. Ah oui, il y a des petites. Il y a des petites pièges. Okay, là, un piège. Et ensuite, ça vous jouez. Toute petite page en dessous. Bon. Et t'as réussi à chercher la plaque en dessous là ? Pas loin. Ah, c'est depuis tout à l'heure que je suis coincé là. C'est pas du tout ce qu'il faut choper comme plaque en dessous là. Bah, je crois que je vois la plaque qu'il faut pécho. Ah mais j'ai sauté beaucoup de fois là. Et ben, voilà. T'arrives à la choper toi la petite plaque ou pas ? Oui, j'y suis. Oh, ok. Bonjour. Ah merde. J'ai loupé le coup d'après encore. Ok, bon, moi on sait où aller. La fois d'après, c'est quand même... Là, on a, je pense qu'on a fait quand même le plus dur. Qui est déjà trouver ce trou de souris manqué, quoi. Oups. Bon. On l'a refait ? Ça se fait, hein. Je pense que c'est ça. On sait où aller. Ouais, ça se fait. Secteur oublié, tiens. C'était un secteur oublié, ça. Comment t'as su ? Comment tu vois ? Bah, je viens de voir secteur oublié, clac, ça s'est affiché. Ça s'est affiché où ? Bah, en bas de mon écran. En bas, là ? Non, en bas de mon écran. Ok. Ça s'est affiché dans ma vision cybernétique. J'entends ta vision spectre, avec tout ce spectre. Non, dans mon œil à moi. Non, c'est la PlayStation qui communique avec mon globe oculaire. Ah oui, c'est ça. Ah, et dans tes Google Lens. Oui, dans tes Google Lens. Ah oui. Voilà. Ouais, on a des Google Lens. Elles sont reliées à notre cerveau. On cligne des yeux comme ça, c'est une recherche Google. Classe. Non, mais c'est bien. J'aime bien ce genre de niveau, quoi. Ça change un peu. Moi, je kiffe tellement les jeux comme ça, d'aventure, quoi. Un peu d'aventure dans ce jeu. Ouais, vas-y. Ça change un peu le niveau habituel qu'on peut avoir sur DC2. Bon, je te suis, tu nous ramènes vers le coffre du boss, là. Pour démarrer la mission, là. Je pense qu'on est parti pour un peu de chargement. Je vais voir vite fait. Mais c'est pas grave, on a un peu de musique, ça va, quoi. Yo, secteur oublié terminé, j'ai zéro. Bah ouais, on l'a pas vraiment terminé là. On l'a pas terminé. Mais on l'a pas terminé. Mais on sait que les secteurs oubliés, c'est peut-être les trucs un peu énormes et bleus sur les cartes. Ouais, ça peut. C'est peut-être aussi con que ça. C'est pas du tout, c'est en gros sur la carte. Non, mais tu peux faire ce niveau-là sans faire ça, je crois qu'on fera Mars, on ira voir Mars après.
forcément. C'est pas si simple. Un petit peu de chargement. Bel écran noir. Le chargement dans ce jeu est un jeu à un moment de communion. Mais oui, oui, bah, écoute, on est 12 spectateurs qui nous suivent dans ce moment de chargement qui est pour ça que vous avez bien fait de venir sur cette chaîne. Pourquoi les gens ils viennent sur cette chaîne? C'est parce qu'il y a des moments intenses comme ça, avec un chargement en écran noir. Et là, tu vois les graphismes de tes films 2. Tu vois, regarde, il y a un petit triangle blanc en bas à droite. Ah, c'est de l'innovation. C'est ça qui voit la différence. C'est de l'innovation, voilà. C'est comme ça qu'on sauvera le... Très beau, ce soir, on va faire un petit tutoriel. Toi, tu passes par la fenêtre, toi. Moi, je passe par la fenêtre. Ouais, voilà, on part. J'ai toujours eu une âme de passe-fenêtre. Comme cambrioleur. Voilà. Donc, vous trouvez ce coffre qui vous dit requiert le coffre de la claque du boss. Donc là, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Carré, ça ne marche pas. Donc, pour des vrais c'est très simple. C'est très simple. Vous allez voir comme c'est très simple. On va mettre 20 minutes. Hop. Vous allez à gauche, là, sur une plateforme toute planquée que je viens de louper. Donc. Voilà. Du coup, je vais t'attendre, comme ça tu vas avoir le privilège de casser la grosse boule noire que j'ai cassée tout à l'heure. Ah, voilà. Et voilà. Donc. Mais dès quoi, attends, je recommence le tutoriel. Tutoriel, code secret de Yo. C'est le deuxième. Putain, tu fais chier, tu ouvris tous mes textes de tutoriel. Je connais ce soir sur Destiny pour montrer un tutoriel sur comment aller récupérer le secteur oublié de Yo. Alors, pour ça, vous lancez la mission Le Murmure. Et des fois que vous arrivez sur la map de Murmure, c'est une map en carré au départ. Donc, vous suivez le couloir quasiment jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous alliez tomber sur un coffre. Voilà, qui est juste après cette pièce. Le coffre qui retient le code de la cage du boss. Ah non, vas-y, là, il y a un gros lion tout juteux, là, qui veut que je lui tire dessus. Ah, tu sais que j'adore casser les oignons, hein. Oui, quelqu'un m'a gagné. Je recommence. Tu tournes au troisième. Plus 17 minutes. Ah, mais là, je l'ai jamais dit, t'inquiète. Je fais des coups, je vais regarder que le soir, direct. Tu vas me censurer, c'est ça, hein. Ouais. Non, regarde, à la fin du tutoriel sur les engrammes de l'Umbra. C'est bien, à la fin. Ah ouais? Qu'est-ce que je raconte? Ouais. Si tu dis un truc du style. Si tu ne cherches, je suis en train de dormir sur mon coffre. Tu l'as pas regardé, c'est vrai? Bah non. C'est court, hein. C'est court, c'est un tutoriel. Ouais. Et elle a fait 500 heures. Waouh. Mais parce que tout le monde est de plus en plus loin là, t'aurais pas bougé ton micro. Non. Donc, tu me fais un saut correct cette fois là. Tu changes tes options, ouais. Tu mets le saut haut. Non, mais il est bon là. Je ne l'ai pas changé. Il est juste moi qui suis un peu pas très bon. Ah, bah, tu montes sur la plateforme et puis tu. Voilà. Ouais, je suis sur la plateforme. Viens déjà. Hop, il faut que je vise. Moi j'ai fait un saut direct. Je te vois presque.
Vas-y, la deuxième. Ah, un super oignon noir. Je te laisse l'arrêter de le casser parce que ça tenait. Donc une fois que vous avez fait ceci sur la plateforme, vous arrivez devant cette boule noire que vous faites exploser en tirant dedans. Comme ceci. Bravo ! Voilà. Et maintenant on saute dans le trou. Ouais. Alors vous devez inspecter. Vous devez inspecter. Un truc on l'a déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez inspecter ici un petit. Un petit cristal. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous descendez dans le trou. Alors, attention, en descendant, il faut bien amortir le choc avec un petit saut à la fin. Là, votre super blanc torche de Steam 2 s'allume comme par magie. Et vous descendez dans ce trou de souris en glissant. Une fois que vous arrivez ici, c'est un petit jeu de plateforme. Évidemment, je n'ai plus vu la plateforme. Alors, j'avais très bien vu tout à l'heure cette plateforme. Ah, une fois que vous êtes ici, vous suivez cette petite souris et vous arrivez sur un jeu de plateforme. Entre les deux poteaux, vous arrivez sur la plateforme derrière. Deuxième plateforme en dessous, en rouge. Oups. Voilà. Là, vous passez. Attention, c'est plutôt de souris. Également. Attention à vos petits pièges. Ils ont tendance à vous goûter dans les trous. Voilà, comme ici. Pas mal sur les plateformes qui sont plus bas. Je sais ce qu'il faut faire une fois là. Je suis en bas. Bah ouais, tu peux sauter par-dessus. Et là, il y a la plateforme. Ah ouais. Elle est grosse, la plateforme. Elle est toute petite, la plateforme. Hein. Faut bien viser. Ok, je me suis fait éjecter dans le vide. Ok, super. Il y a un truc là. Comment t'as fait pour me doubler? Je t'ai sauté par-dessus la tête. Ah, donc, t'avais pas l'air de l'avoir fait, je t'ai sauté par-dessus. J'avais peur. J'ai déjà vu. Bon, par contre, là, j'avoue que. Je suis pas sûr de la suite. Tout va bien. Alors, une fois que vous avez fait ce petit jeu avec les premières plateformes, la suite. Vous continuez sur des plateformes de plus en plus petites et de plus en plus loin. C'est un vrai bonheur. Je suis claqué dessus. Mais je suis mort dessus. Ah non, je suis mort sur ça d'abord. Je sais pas comment je vais amortir le choc en fait. Je peux gentiment tenter avec ma super charge. Oh putain, j'ai encore sauté au mauvais moment. J'ai sauté pile au moment où il fallait pas. J'ai sauté, puis je me suis pris un gros coup de plateforme dans la face. Ouais, c'est pas grave, on recommence. Saute par-dessus. Ouais, les gros machins à la fin, tu sautes par-dessus, et puis après, tu essaies de rattraper sur la fin. Par contre, celle d'après, elle est coton. Mais alors, elle est bien coton. Allez, vas-y, ma belle. Vole jusqu'à cette plateforme de 4 cm.
Yes. Même pas mal. Elle est même pas morte. Derrière une plateforme. Elle a à peine 4 km, c'est large. Ok. Bon. Et alors, quand on est là. Quand on est là. Je ne sais pas. Ça passe. Ah, 18. Sur laquelle? Sur la... Ah oui, t'es là-haut. Toi, t'es allé où? Donc, là, sur l'espèce de mini plateforme là. Oui, c'est ça, la mini plateforme. Tu sautes dessus. Mais c'est facile. Tu vas y arriver. Je ne suis mort que 3 fois. J'y suis. Bravo. Ah, t'as glissé. Ouais, ça me l'a fait deux fois. Ouais, ça me l'a fait deux fois. Alors attends, il y a une fois. Ah, putain, il m'a remis au bon endroit. Ouais, c'est sympa. Non, je connais. Par contre, la suite, c'est où la suite? Mais non, mon connasse. Eh ben, on s'en sort. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne? C'est bon. On peut ramper dans le jeu? Oui, tu fais rond, il va se mettre accroupi. C'est pas ramper, mais c'est accroupi. Non, moi, je demandais ramper. Ramper, on peut pas. Tu veux venir avec moi là? Tu peux venir sur ma plateforme, il y a plein de place. C'est large. Viens, je t'en prie. J'ai besoin de tout. Même pas mal. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce bâtiment sans trop trouver la suite. À part le trou où je vais mourir. Arrête de pousser, s'il te plaît. Je n'arrive pas à passer en dessous. Je serais bien rentré dans ce machin parce que je vois pas trop d'autres plateformes. Peut-être qu'il y a d'autres plateformes atteignables. Ouais, il y aura des trucs dessous. Ou alors un passage. Déjà, il y a un dessous là. T'as un brune. Pour la plateforme là. Voilà, on dirait qu'il y a une espèce de marche là. Est-ce que vous pouvez en voir? Ouais, la petite marche là. Ouais, tu vas aller dessus, vas-y, je t'en prie. Vas-y, passe devant, je te suis. Je suis tenté, mais non. En sautant au-dessus, il va pas y avoir des trucs là. Je sais pas, c'est pas évident. Ça se trouve, ça. C'est pas trivial. Qu'est-ce que c'est que cette map de con? Alors. Je me suis jeté dans le trou pour voir un peu si vous voyez des trucs. Il me remet sur notre micro-plaque. Ouais, pas là où je me suis jeté. J'essaie d'éclairer avec ma mitraillette. Non. Putain, ça me la coupe. Je sais pas trop. T'as vu, il y a un angle là quand même du bâtiment. Je suis sur une plaque. Ouais, je suis quelque part. Je ne suis pas mort. J'ai fait un saut dans le vide et j'ai contourné le bâtiment. Ouais, reviens à gauche. Presque. Je t'ai vu. Ouais, je suis sur une plaque quand même. Ouais, c'est très bizarre. Je suis sur une plaque, je suis en vie. Putain, mais par contre, c'est noir sur noir. Tant de dire que j'ai rien.
Super, le boulot est raté. Ça fait le saut long ou le saut maniabilité? Le saut haut là, haut et long. Ouais. T'es parti d'où? Un peu en deux biais ou contre le mur? J'ai pas compris, pardon. Je suis parti au départ en biais, tu vois, en direction du... En longeant le trou, quoi. Et après, je suis revenu vers la gauche. Voilà, et là, vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche. Ah, bah, mais c'est une idée. Mais c'est une idée. Mais après, est-ce que c'est la bonne route? Bah, écoute, c'est un magnifique. Ah, ah! J'ai vu un nouveau bâtiment derrière le trou. Je sais pas si c'est à ténèbres, on va voir. Alors, tu pars à peu près à 45 degrés par rapport à l'ouverture là. Comment ça atteignable? C'est atteignable ça. J'ai vu des trucs, je sais pas comment les atteindre. Oh putain, j'étais presque. Ah, je t'ai vu, je t'ai vu arriver. Sa tête, que je sois mort, non? Ça fait une boule de lumière. Il est chaud, hein, ce... Moi, je suis parti au début du saut, c'est-à-dire pas mal vers le trou. Ce qui m'a permis de beaucoup corriger, tu vois. Et assez vite, en fait. Assez vite, je corrige et je remets à gauche. Oups. Et j'ai bien lancé l'impulsion tout de suite. Assez tôt. Bon, j'ai regardé. Bon, alors j'ai trouvé un truc où il y a des moulins. Merci. Yes. Là, par là-bas, regarde. Quand tu dépasses ce mur, là, après à gauche, il y a des plaques et tout, il y a plein de trucs. Et... Mais je sais pas comment atteindre. Il y a des lumières, des plaques, tout un tas de bazar. T'as vu ou pas? C'est pas de là où on vient? Je crois pas. Pas du tout, hein. on est bien plus bas. Hein. Tu te souviens de ce qu'on vient de faire là? Non, c'est vraiment pas ça. Ah, je. J'ai cru que j'étais sur une plaque à un moment, mais non. Hop, je suis sur un poudre-bord. Alors, où suis-je? Il reste 2 minutes 40. Je sais pas si on va y arriver. Ah bah carrément, maintenant il me remet dans le trou. Non, mais c'est que je te réanime et je te pousse en même temps. Tu réapparais devant moi et vu, je te pousse dans le vide. Je peux pas te réanimer. D'accord. C'est pas grave. Putain. En haut, là, y a pas, non? J'ai une plaque que j'ai loupée, mais... C'était la même ou c'était l'autre? Là, on est super, super loin, là. C'est pas on y est un petit peu, c'est... Il faudra un deuxième saut, là. Ouais, il y a une plaque intermédiaire, je pense. Il manque une plaque intermédiaire, là. Ça ouais. Déjà, je vois rien là où on est, quoi. Alors... Il y a plein de gens qui nous parlent. Ouais. Ah, il y a Fox qui nous dit c'est pas le bon chemin, faut faire demi-tour. Peut-être en faisant le tour par l'autre côté, ouais. Toujours un truc un peu similaire. Alors, je vais le prendre par là. Ah ouais, il y a une plaque. Tu as mis le tour, toi? Ouais, j'ai une plaque qu'on n'a pas passée. Ah ouais. De l'autre côté, du coup.
Ouais, de l'autre côté. Ah bah, il y a des pièges, comme tout à l'heure. Allez, cours, connasse. De toute façon, en 30 secondes, je pense pas qu'on est au bout, mais on a un peu avancé. Oh, je suis debout. Ouais, voilà, je suis arrivé à l'endroit qu'on observait là et qu'on n'arrivait pas à atteindre tout à l'heure. Je suis au niveau des boules qu'on voyait. J'ai atteint. Moi, j'arrive pas à faire demi-tour. Ah merde, il faut attendre une seconde. Ce sera pour la prochaine. Ouais, ce sera pour la prochaine. Il est 11h, on coupe. Ah, 20 minutes. 20 minutes, ça fait 23h27. Tu sais très bien que c'est pas 20 minutes. Ouais, mais si, c'est 20 minutes, là, tu vois bien, c'est timé. Ouais, mais non. Ça gère plus vite. Franchement, regarde. Non, tu dis merde. Mais non, je peux pas tricher. Il est 23h07. Tu verras que ça fera beaucoup plus que 20 minutes. Si tu regardes YouTube, comment faire? Mais c'est pas toi qui as joué, c'est YouTube qui a joué. Alors, merci de vous donner, on ne veut pas vous donner, s'il te plaît. Allez, vite fait, c'est 23h07. Mais d'accord, 23h07, 20 minutes, tu m'as dit. Moi, je parie que c'est le double. Mais non, t'as bien vu, il a un chronométré, c'est bon. Oui, on a un compteur 20 minutes. Ouais, avec un chargement. Ouais, mais quand on est dans le niveau, c'est 20 minutes. Donc peut-être qu'on sera dans le niveau à 3h09, tu vois. Peut-être 22 minutes. Après, le chrono, il est lancé, tu vois. Ouais. Je change couleur. Pourquoi il est rouge, mon bonhomme? Ah, il est mis en violet. Non, il est en vert. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non, mais on galérait quand même. Je pense qu'on aurait mis du temps à décider de faire du tour de l'autre côté. Tu t'excuses cette fois. Tu vas être 23h09. Allez. Mais les changements sont hyper rapides. Et surtout, ils sont beaux. Celui-là, le changement, il est beau. C'est un hexagone. Moi j'aime beaucoup, ouais. Une petite forme géométrique, ça. Putain, il y a des triangles. Putain, un hexagone. Santé. T'es encore en train de picoler? Bah bravo. Voilà. Les enfants, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Attention. Je sais pas, j'ai pas l'âge des gens qui nous regardent. Mais je crois que quand même, les adultes. Les enfants, à votre âge. Ah, tu vois, allez, 20 minutes chrono. 19 minutes 55. C'est le top du bar. Je t'avais dit 22 minutes. Si je te dis 20 minutes, c'est 22 minutes, ça va quoi. Allez. Putain, on peut même pas sortir la moto pour aller plus vite. Qu'est-ce qu'il y a à la traîne encore là? C'est toi là! Les trucs. C'est la bière, c'est ta boostée. Je pense que comme le chef de squad, il y a plus vite. N'importe quoi! Il est passé par la traîne, il est fier! Attention. Il va bien marrer qu'il loupe ton sauce. Ouais, ça va. Ouais,
Hop là, ça y est, en douceur. Go dans la ratière, la souricière. Et hop, entre les deux poteaux, paf. Ensuite, paf. Vas-y, avance, avance. Non. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde. Non, c'est pas grave, j'arrive. On va arrêter une seconde. On a envie de voir ce niveau-là. Hein, voilà. Ah, j'y vois rien, caméra, caméra merde. Oh, ça sent... Ah ouais, voilà. Ça sentait mauvais. En première personne. Même pas mort. Celui-là, j'arrive pas du tout à l'amortir de saut. Chaque fois. Ah ouais, ah ouais. Bon, t'essayes de pas me gêner, s'il te plaît. Je t'ai déjà gêné. Non, mais t'es pas mort. Il y a un truc qui m'a gêné. Il pourrait me gêner. Bon. Alors là, le saut que tout le monde kiffe. Le kiff-team. Wadada! Ah, ah, très beau. Très bel atterrissage. Je t'ai vu passer. Non, pas mal. Hein. Ah, moi aussi, je t'ai vu. Non, c'était mon cadavre que j'ai vu. Ça doit être ton cadavre. Mais le mien est passé juste après. Un peu chou, c'est celui-là. Alors. Allez, avance, connasse. Ah. T'en es où? J'ai entendu. Bah, je suis revenu là où on était juste à la fin de la fois d'avant. Bien, très bien. Je vais pouvoir me lever. Ah non! Ah, je suis mort! Je pensais pas que je me serais fait. Il m'a remis. Ah, il m'a remis là en plus! Quel gros enculé! Il m'a remis. Non, mais là, moi j'ai un petit souci de connexion, du coup c'est très compliqué de me déplacer avec précision. Ah, il m'a remis tellement loin! Les gros bâtards! Ah oui? Elle tombe plus très bien. Ouais. Aïe! C'est pas ton Bluetooth? Non, tu me poses la question à chaque fois, non. Et ta voix aussi, tout le soir. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est la voix aussi, ouais. C'est le téléphone, c'est la console, la réflexion. Pas de doute. J'ai pas mal du tout. J'ai un point de vie, mais je suis hyper large. Tout va bien. Voilà. Oui, si, c'est bon. Une forme. Putain, je me suis fait niquer un endroit où j'étais pas mort la fois d'avant. Je suis passé un peu plus vite, quoi. Je suis plus par impatience. Allez, go. Super chaud là. Oh putain, les commandes ne montent pas. Je vais être aussi, c'est pas évident. Ah putain, c'est chaud en fait. En fait, on peut pas tout s'arrêter. Okay. Alors, on a un peu. Je suis.
D'accord, il m'a mis un, m'a mis un peu bleu, un peu plus sympa. Hop, allez, le saut en angle droit à l'aveugle. Très bien. Ah, t'es arrivé là? Cool. Donc là, t'as soit à l'aveugle, soit à l'aveugle à 90 degrés. Et après, les pièges. Alors, les pièges, le dernier. Ouais. Double saut direct? Ouais. Ouais, ouais, enfin, je vais faire tout de suite le deuxième, mais... Il faut arriver. Ah, il faut qu'on connaisse. Ok. Je sais pas où il faut aller, en fait, là. Hop, voilà. Bah en dessous, toujours en dessous. T'as fait un angle droit à droite, t'es rattrapé sur la plaque d'après? Non. Là où on s'exclut, je me retrouve avec. Je suis face à un mur en fait, et c'est passé dessous. Peut-être que c'est trop tôt. Ouais, peut-être que t'avais fait ton saut, double saut trop tôt. C'est quoi cette merde là? On est folle, faut déguiser ça, ça ne pas. Mais pourquoi faut passer dessous là? Il y a une petite série de pièges. Le dernier piège, il est un peu chaud. Je te conseille d'envoyer des petits sauts. Tu vois? Des petits sauts à la con. Ça pourrait te permettre d'accélérer un petit peu sur la dernière plaque. La dernière plaque qui va avoir très vite en compte. Je suis dessus. Je vais en face là. Ouais, tu vas en face. C'est où? Je sais pas où je vais. Ah, il y a un ascenseur, mais j'ai pas trop compris où il fallait aller après le premier passage. Je vais choper la synchro sur ce machin là. Il reste deux secondes. Allez, vas-y. Ah, il fait chaud, les gars. Ah, non, accroche-toi, connasse. Lâché. Pas du tout sympa. La meuf, elle est arrivée comme ça. Est-ce que je mets... Non, je mets pas les mains. C'est sale. C'est ça, j'ai pas de vie droite. Je pars en direct. C'est clair. J'ai mal sauté. Bon, allez, on va essayer. Putain, là, il y a des sauts un peu chauds. Là, j'avoue, ça commence à être bien technique. Bon, là tu vas au bout et ensuite il y a une histoire d'ascenseur sur laquelle tu butes, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est là. Ouais, je t'attends là. On prend la moitié du temps, 9 minutes. Donc, quand t'arrives sur le premier ascenseur, ensuite tu fais quoi? Moi, je rejoins. Je suis. Ouais. Je vais pas me faire écraser en arrivant là-haut. Non, t'inquiète pas. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pièges. Il y a un petit trou ici aussi, là. Pour faire un petit piège. Je suis parti par où?
Tout droit. Est-ce qu'il y a un tunnel là? Tu l'as vu le tunnel? Un vrai tunnel? Bah ouais, il y a un tunnel là dans la pierre. Tu as l'air d'aller, hein? Bah, je te suis, hop. Ok. ça m'a l'air sympathique comme endroit encore. C'est pas facile, je suis mort. Je suis arrivé en 3 en face. En envoyant des sauts par-ci par-là. Voilà. Ok, il y a des super. Tu es allé tout droit, c'est sympa. Je suis allé tout droit, en face, ouais, dans le trou. Il y a des éjecteurs par-ci. Ah merde. Bon, je vais lancer un peu. Ouais, vas-y, avance. Ah, pas juste après l'éjecteur. Ah putain, c'est chaud. Ne m'éjecte pas. Ah, il y a un truc qui m'a fait mal. Il y a un truc qui me fait mal. Je crois qu'il y a un truc qui me tire dessus, peut-être, je sais pas quoi. Je suis arrivé. J'ai perdu beaucoup de vie. Oui, t'as un espèce de machin qui t'éjecte là-bas. Ouais, hormis les éjecteurs, il y a un truc qui fait aussi des dégâts. Et où t'as réussi à passer parmi les éjecteurs là? Ouais, je suis passé. Enfin, je pense qu'il reste encore. Ouais, c'est ça, droite, il y en a encore. Ça continue encore. C'est que le début, d'accord. Qu'est-ce qui fait les dégâts? Ah, c'est un mec. C'est un méchant. Il y a des corrompus. Ça y est, on voit les méchants. Ouais, c'est un corrompu. Le petit enculé. Je le vois. Bah oui, il m'a remis là, c'est pas drôle. Aïe, enculé. Ok, on voit des méchants. Nous voyons de la vie. Je suis tellement content d'en être vivant, même si c'est un méchant. Ça c'est mini, d'accord. Putain, mais par contre, les bâtards, ils m'ont remis au début, quoi. Tu te fais tirer dessus par un con. Ah, oui, il m'a tué en plein vol, le bâtard. Bon, bah, on fait tout. Vas-y, je suis derrière toi. Presque ça. Aïe, je me suis éjecté. Cinq minutes, il reste, c'est super chaud. Peut-être pour encore tuer un mec derrière. Hop, encore c'est peut-être le boss. Non, mais je pense que là on est très loin de la fin quand même. J'espère, parce que sinon franchement c'est vraiment difficile. J'arrive pas à passer la première question. Bon, je vais y arriver. Il y a Valentin qui nous dit sur Facebook, vous n'avez pas fini de galérer. C'est bon, je suis passé. Aïe. Aïe. Ah, merci, tu m'as sauvé. On essaie de tracer sans tuer. Presque.
Bien joué. Et qui est? Tu es en face, ouais, là. Je suis à petite plaque en face, ouais. Bon, je suis rentré dans un machin. Ah, ça tue ça. Bon. C'était pas Crystal Clear que ça allait nous tuer. Alors, on va sur la dernière plaque. Ok. Okay. Je vais refaire un dernier saut. Bon, bon, et alors, je suis là. C'est où? C'est en face. Ah oui, ah, oui, d'accord, c'est en face. C'est pas en bas. Ça y est, le boss se fait parler de lui. Il a dit bonjour. Il a dit tu seras à la dérive. Ah, 2050, putain, je suis chaud. En termes de timing, faut bien le connaître par cœur. Je pense qu'on peut s'en sortir. Si tu veux faire un temps en partie. Et alors là. D'accord. D'accord. Où suis-je? D'accord. D'accord. Ok. Direct ressauter, quoi. Non, t'as pas le droit de ce côté. Tu touches terre, tu ressautes. Ah, je vois. Ok. Alors, je suis dans un rond de... Bidule. Dans un rond de... Comment ça s'appelle? Tu sais, c'est l'animal là, qui court dans un rond. Le cochon d'Inde, quoi. De hamster, voilà. Je suis dans un rond de hamster. Je suis comme un ouf. Il y a 6 minutes 50, je sais pas où jouer. Bon, bah, je trouve un... rond de hamster. Ah, qui va tirer dessus? Où es-tu, enculé? Alors... Ah, il m'en va! Il m'en va des grenades dans la gueule, l'enculé. Il m'a buté. Il y a un mec qui t'a envoyé des grenades? Ouais. Dans ma roue de hamster. Ouais, c'est un peu de civilisation, quoi. Il y a 6 minutes. Enfin, c'est pas une idée, putain, quoi. Alors... C'est toujours là, au fond. Ouais. Voilà. Une déglingue. Ah, c'est un grand champion, je crois, il a la vie au rang, là. Enfin, un sniper. Je sais pas de sniper. J'arrive en 20 secondes à mon ami, je suis là, j'ai eu le but en 2-2. Bon, je mets un fusil éclaireur. Putain, ils font porter un sniper, je déteste porter les snipers. Ah putain, je trouve ça une heure de merde. J'arrive pas à atteindre cette piste. Ah, c'est fini. Merde, c'est dommage. Bon. Bon, on essaye demain ou une autre fois. Yes. Mais je pense que ça va vite, tu vois. C'est juste qu'à chaque fois que tu prends 20 minutes pour avancer un peu plus vite, mais c'est que la partie technique était beaucoup plus lente, quoi. Attends, mais oui, c'est la deuxième fois qu'on le tient, hein. Ouais. Non, 3 fois, je pense. On a fait 3 fois, là? Non, première fois, on a trouvé le trou, on a avancé un peu. Et là, c'est la deuxième. Non, 2 fois, là. Ah, c'est 2 fois? Ouais, ça va. Non, ça va, on avance vite. On est bon. On est pas mal. Pour fêter ça, tu vois, le fait d'être bon tous les deux, tu vois, que faut se faire du bien. Je sais pas. En tout cas, on va remercier les internautes qui nous suivent, toujours de plus en plus, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous follow aussi pour avoir un peu de l'application quand on joue. Généralement, c'est le soir à partir de 21h30 à peu près. D'ici là, on va vous laisser un petit générique de fin et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Salut. Si je peux un dernier petit mot. Vas-y, on a besoin de sous
pour s'acheter des... Parce que là, c'est des faux ballons qu'on a autour de la tête, mais on cherche à avoir des vrais ballons, mais qui bougent et qui se frottent pareil. Hein. Oui, oui des vivants. Des ballons robotisés vivants. Ça coûte assez cher, mais ça vaut le coup. Voilà, donc merci. À bientôt. Merci, merci pour l'argent. Allez. À bientôt. Salut. Oh là là. La bêtise. La bêtise nous sauvera. Si, 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 je t'entends. J'écoute juste le générique que j'ai mis. Non, non, je suis pas parti. Ouais, pardon, je m'étais mis en mute 2 secondes. Pour éviter de spoil. Avant d'avoir coupé les micros. Ouais. Là, j'écoute le générique de fin, c'est quoi? Moi, c'est pas mal. Allez. On a 11 personnes devant un générique. Ouais. Ouais. À 6. Ça descend. Pendant le générique, ça descend. Tu vas plus que 6. Des fois, j'en ai 3 jusqu'à la fin du mois. Ah, l'image, c'est moi en train de danser sur Yo. Moi. Quand même 2 chansons. Non mais franchement on a tellement ouais bah faut que j'en achète d'autres. Ouais, par exemple. Franchement on a tellement galéré tu vois pour avoir des gens qui nous regardent. Maintenant ça me fait mal au cœur quand je vois 5 spectateurs de côté. Ben non c'est cool, c'est pas 5 spectateurs, je coupe pas quoi. Je sais pas comment on a fait du soir. Bon, on n'a pas fait de gros pics, je crois pas. Mais par contre on a eu constant quoi, vraiment constant. Ça c'est pas mal. Moi je préfère avoir des gens qui me regardent en constant qu'avoir des gros pics à 60 et qui durent 3 secondes, tu vois.
Si, ça aurait été de... même sur le jeu d'avant, sur Man of Medan. Putain, on avait moins de trucs à faire sur Man of Medan. Oui, non mais c'est vrai, non mais dans le sens, tu vois, après la démarche, le joueur, etc., le spectateur et tout ça, c'est du temps quoi, c'est du temps passé quoi, sur la chaîne et tout. Non mais sinon après c'est quand même, oui ben bah, le... Oui non mais c'est sûr, l'objectif ça reste quand même de se marrer sur un jeu vidéo avec un pote et garder contact avec mon pote de Lyon, tu vois. Mais bon après... Mais c'est vrai que c'est marrant quoi, d'avoir 5 spectateurs en train de regarder mon perso danser. Voilà. Et en fait, maintenant j'ai compris comment on fait les vues sur Facebook là. En fait, le truc c'est magique. Qui a fait passer la chaîne de 2000 à 3000 vues à peu près sur les vidéos. C'est la première image. Et en fait, sur la première image, quand on me voit bien et qu'on voit le jeu, et ben, en fait, les gens ils cliquent. Ça marche hyper bien. Et donc, tu verras là, les deux, trois dernières maintenant, comme j'ai chopé le truc.